840 mètres de boucle et 25 équipes très colorées sur la ligne de départ. Pour la première fois, Jouer-les-Tours accueille le championnat de France de voitures à pédalier. Une course qui combine vitesse, esthétique et meilleur déguisement en toute bonne humeur. Le principe, c'est de rouler pendant 3 heures d'affilée, avec des relais ou pas, hein, c'est au choix de chaque équipe, hein, tout simplement, et de réaliser la meilleure vitesse possible d'une part. Mais dans le classement, il y a également l'esthétique qui entrera en ligne de compte et un combiné. Et justement, côté esthétique, les coureurs n'ont pas lésiné. Costumes et voitures haut en couleur pour une ambiance résolument ludique. À l'image de Maya Labeille, championne de France esthétique l'an passé, une concurrente sérieuse mais détendue. Bah c'est l'ambiance, c'est aussi le fait de voir des gens, etc. C'est assez agréable. Et puis les défis entre nous qu'on peut se lancer quand on pédale. Et puis bah sinon, c'est vrai que le contact avec les gens du public est très agréable, de se faire supporter, etc. C'est très sympa. Et puis on est costumé, donc c'est assez fantaisie. Fantaisie, mais qu'on ne s'y trompe pas. La voiture à pédalier, c'est un vrai sport. Une endurance et un mental mis à rude épreuve pour certains pilotes. Mais comme le dit l'adage, l'important, c'est de participer.